Elle est là, ma voiture. Ah, elles l'ont. Ça, c'est mon cousin, ça. Il l'a bien tenu. Putain, vous avez fait quoi, ma voiture, bande de fils de pute? Eh, hey, ah, y'a des mecs sont venus, ils ont niqué la gomme. Ouais, ils sont venus, c'était 15. Je vais péter un plomb. Eh, hey, je m'en bats les couilles. Eh, hey, je vous la laisse, vous vous démerdez, vous la réparez. Eh, hey, frérot, ouais, mais t'es qui, toi? T'es qui, toi? Voilà, c'est lui, il a niqué en plus. Quoi? T'es qui, toi? Frère, ils sont venus à 15, ils ont. T'es qui, toi? Tu t'es vu taper ma voiture, t'es qui? Je m'appelle Randall. Mais ouais, comment ça, Vandal? On attend Frodon, là. Il a chié sur la gomme. Décale de moi. Et toi, t'es qui, toi? Tu sens ouais, pas, moi je suis qui moi bien, mais bien. Toi t'étais pas avec les bikers eh, attends, attends, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, vas-y, 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 qui mon Zac. Vas-y, il s'en va. Vas-y, parle bien au mec de mon équipe. T'as vu? Comment ça parle bien au mec de ton équipe? Eh, j'ai trouvé une petite équipe que je suis en train de monter là, on va faire des pieds et des mains pour cette ville. Je suis tes pas, je suis tes pas. Eh bah si vous voulez avancer, eh bah... Fais-moi confiance, déjà... Trouve un mec dans ton équipe qui va passer de PPA, d'accord? C'est moi. Non, c'est pas toi. Je vais te dire pourquoi c'est pas toi. Ce mec qui va passer le PPA, c'est lui qui va nous acheter toutes les armes et les munitions, ça va être notre pute. Tu comprends? Oh. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un se fait attraper avec cette arme, toutes les armes seront à son nom. Oh, trouve un sgeg, le mec avec la capuche tout le temps avec toi là. Ça a lui le gros sgeg. Voilà, fais-lui passer le PPA, et lui, on va lui faire acheter toutes nos armes et toutes nos munitions. Tout ça sera à son nom. Vas-y, envoie 5000 balles là. T'as besoin d'argent? Ouais, ouais, ouais. Tiens. Oh, comment t'es trop con. 3000 balles, parce que t'es un sgeg. Wesh. Écoute. En 2000 là. Eh, je te confie cette mission pour l'instant, ok? D'abord, fais-lui passer le PPA. Dis-lui de le passer, dis-lui que toi tu peux pas, t'as un casier, trouve des excuses. Il va passer le PPA et à chaque fois. Et quand tu me dis quand c'est fait qu'il a le PPA, préviens-moi, d'accord? Vas-y, vas-y. On aura tous une arme. Là. Parce qu'il y en a marre, les SDF, on se fait trop pas respecter dans cette. C'est bon, t'inquiète, on va tout niquer. Je vais réparer la go, mais vas-y. Vas-y. Vas-y, je prends une autre go. Dis-moi quand tu l'as réparé, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, va niquer ta mère. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allô? Putain, ton téléphone il bug là, connard. Tu m'entends, appelle-moi. Ah, c'est bon. Oh. Allô. Bah, Swed. Ouais. Tu m'entends? Ouais, tu m'entends, toi, Swed? Ouais, ouais. Ouais, dis-moi, t'as réceptionné la cargaison de cocaïne ou pas? Hein? Tu m'as pas dit que t'allais recevoir une cargaison de cocaïne, là? Hein? J'ai besoin de toi, là. J'ai besoin de tes services, là, pour gravir les échelons, là. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu m'as dit hier... un message, tu me dis lui on se retrouve là dans 2-3 jours je vais avoir une cargaison d'une tonne de cocaïne. Mais je t'ai jamais dit ça gros, y'a un mec qui s'est fait passer pour moi, tu t'es fait berner, t'es con quoi. Ouais, c'est vrai, je reconnais qu'un, t'ai vu toi. Mais t'essayes de faire quoi là enculé? Non mais t'as de la coke ou pas? J'ai pas de cocaïne, je touche pas à la drogue moi, t'as pété un plomb quoi. Eh hey, gros con, moi je fais les choses droit dans cette ville, j'ai une association, tu veux me foutre dans la merde. Pour une fois que j'ai peut-être une petite lumière de réussir, tu veux tout niquer? Bon, c'est bon, je croyais que t'étais mon ami, tu joues à quoi, fils de pute? Lâche-moi, je me parle plus. C'est une... Il est fou, quoi. Ouais, je suis dans ton barrio, là. Je sais pas si tu m'entends, mais viens si tu m'entends, je suis dans ton barrio, là. Oh, tu m'entends, là, ou pas? Ouais, je t'entends. Je t'ai dit, je suis en train d'arriver, je suis là dans 2 km. Vas-y, je t'attends, t'es de huc. Je vais te niquer ta mère. Non, désolé. Je t'attends. Vas-y. Allô? Bon, je sais pas si tu m'entends, moi je t'entends pas, mais en tout cas, j'en peux plus là, je suis fatigué, tu... Pour une fois que j'essaye de réussir dans ma vie, t'essayes de me foutre dans la merde. Je t'entends pas, moi. Oh, tu fais quoi, là? Ça va ou quoi, mon pote? Tu veux quoi? Tu veux un truc? J'attends vers Twingo, là. Il arrive. Vas-y, il arrive. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, toi. Ça va. Ça raconte quoi? Dur soleil, hein. Pourquoi? Oh, non, rien, hein, tranquille. Dur soleil, c'est juste là, je vais me coucher, c'est toi. T'as perdu un pote ou quoi? Non, ça va. Ah, quand même pas.
Putain, mais faudrait que tu t'achètes des baskets là, Squaw, c'est tongue là. Ah, toi, achète-toi des vêtements. Pas faux. Mais je peux plus les enlever, ils sont collés à ma peau. Ça fait 10 ans que j'ai de la merde collée sur ces sapes et ça a séché. Si je décolle, ma peau, elle s'enlève. Oh putain, oh putain. Oh. Oh, 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 oh. J'arrive comme James Bond. Wow. Ouais, j'adorerais ton arrivée. Ouais, ouais, dans des stamps plata. Ok, ok. Vas-y, bonus. Vas-y. Quoi, tu vas commencer à parler chinois? Voilà, 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 monsieur. Voilà, voilà, voilà. C'est voilà. Tout? C'est tout? Bah, comment ça? Tu prends trotte? Bah, c'est ça, non? Tu m'avais dit 20. Putain, t'as toute ta tête, toi. Il s'est calculé, lui. Putain, casse les couilles. Tu peux le faire si je te retarde ou pas? Ou faut attendre? Non. Ouais, mais pas tout de suite. Faut quand? Pas tout de suite. Tu veux faire ça quand? Demain? Bah demain je suis pas là, mais peut-être l'Orio. Ok, bah tu me diras et vous m'appellerez. T'as fait quoi ce soir, Fred? Bah rien, j'ai menti. Oh, bon, dis-nous la vérité. Quoi? T'as combien sur ton compte bancaire? Ah, j'ai rien. Il paraît que t'es... Écoute-moi, il paraît que t'es extra riche, mais t'es amoureux de la rue. C'est pour ça que tu restes avec le char. Mais qui t'a dit ça? T'as pété un plomb, quoi, je suis pauvre. Oh, la vie de ma mère, quand je te regarde dans les yeux, la vie de ma mère, tu me donnes envie de vomir. Mais pourquoi? J'ai l'impression aussi, ta calvitie elle recule ou c'est comment? Oui, c'est vrai, elle a reculé. Fais-moi un bisou sur le crâne. Viens, je te fais un bisou, viens. Merde, vas-y. Viens. Oh! Oh! T'as bien mon bisou? Oui, merci. Ok, fils de pute. Nique ta mère. Ouais. Tu vas faire quoi là, Fred? Mais moi, tu sais, cet argent, c'est pas pour moi. Moi, j'ai aucun argent. C'est une association que j'ai créée avec le gouvernement. C'est pour aider les pauvres. Et tu t'entends. Et si je te montre le projet là, tu peux le faire ou pas? C'est quoi le projet? Il y a ta plate à se faire. Vas-y, dis-moi. Viens, monte avec moi en coacher. Vas-y, je te donne mon bonne nuit. Vas-y, bonne nuit, bande de sgeg. Nique ta mère par contre. Ouais, pas désolé. Salue pas le cuir. Salue pas le cuir. Charles Park. Non, si vous voulez venir, venez. Hein. En gros, je vais t'expliquer. Toi, tu es gouverneur ou pas? Quoi? Tu t'entends bien avec le gouvernement ou pas? Je sais pas, moi, juste y m'aide, c'est tout. Regarde ça. Tu vois là sur la droite? Ouais. C'est une église. Et je vais la reconstruire. Mais il me faut des dons. Tu peux m'avoir ça ou pas? Okay, on peut dire que le projet de construction il va coûter 1 million. Dans les 1 million, on garde 50 ou 100 000 chacun. Et tu t'occupes de ça. Ok, bah va falloir beaucoup nettoyer alors. Bah, ça, c'est ton travail, ça, non? Ouais. Non, sans nettoyer. Ah ok. Je vais lui en toucher un mot, je vais aller voir. Tu lui dis les vagos, ils ont besoin d'une église, ils ont pas de sous, et qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je vais leur demander tout à l'heure, je dois aller lui déclarer tout ce que j'ai reçu comme don, et je lui en parlerai, d'accord? Ok, t'as pas intérêt à me voler l'idée ou je te nique ta mère, Fred? Mais qu'est-ce que tu veux que je vole l'idée, moi? J'ai pas besoin d'église. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu fais quoi dans la vie, Fred? J'ai pas mais je suis SDF, putain, t'es con ou quoi? Mais non, t'es pas SDF, ça se voit que t'es trop intelligent pour être SDF. Mais je suis pas intelligent, putain, tu me casses les couilles. Écoute, nique ta mère, je sais que t'es pas un putain d'SDF. Mais comment ça, je suis pas un putain d'SDF? T'es pas un putain d'SDF. Mais je suis quoi alors? Quelqu'un de trop intelligent, je sais pas t'es qui, hein. Mais je sais que t'es quelqu'un de très respectable et qu'un jour tu vas tous nous baiser. Je vais rien baiser du tout, connard, moi je veux juste. Être en paix, vivre avec les miens, aider les pauvres et être tranquille dans ma tête. Celui qui me donne de l'argent, je traîne avec lui. Fin de l'histoire. Tu me donnes de l'argent, je traîne avec toi. Il est où ton camp? Mon camp? Ouais, ton camp de SDF là. J'ai pas vraiment de camp, on traîne sur le parking de l'unicorne. Vas-y, montre. T'as l'habitude de monter dans du cuir comme ça? Non, moi je préfère le latex. Ouais, mais ça existe pas des coachs en latex. Ah non. Ah, tu parles de voiture là, ok. Non, j'ai pas monté dans du cuir. Tu dors où? Là, t'as trouvé. Ici là? Non, avant. Ils veulent tous savoir où c'est. Ils veulent tous savoir. Quoi? Où ici là? Ouais, là, juste là. Ouais, les poubelles quoi. Ouais. T'es bien renseigné toi. Mais je suis pas renseigné du tout. Mais quand je sens ton odeur, la putain de ta mère. Bon, tu veux des sous un peu? Pour moi, ouais, mais si tu veux m'en donner à moi, ouais, mais
Là, pour l'association, je pense que ça y est, là, j'ai bien récolté, je pense, pour aujourd'hui, là. Attends, mais si tu veux m'en donner à moi, je suis preneur, par contre. Bouge pas, ouais, je vais te donner un truc. Oh, t'es le boss. Si, dis-moi. Je suis à la banque. Voilà. Bonsoir. Ça va? Ben, je vais déposer l'argent. Je vais déposer un peu d'argent. Allez, vas-y, lève-toi. Tu fais quoi, là? La con de ta mère, attends, la grosse chienne. Il y a Marakli qui m'appelle, 2 secondes. Tu chies dans le doigt? Allô? Tu m'as appelé? Oui, oui, vous êtes disponible, madame? Si. C'est bien sûr. C'est juste pour vous. Mais arrête de me suivre, toi, putain. Viens, je vais te donner ton argent, la putain de ta mère. C'est juste pour vous, je souhaiterais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Viens, je te donne ton argent. J'ai pas spécialement fini le truc, mais j'ai avancé en tout cas. Bien. Explique-moi alors dans ce cas-là. Mais je suis trop entouré, il vaudrait mieux que je ne vous voie. Bien, plus tard alors dans ce cas-là. D'accord, bah prévenez-moi quand vous êtes disponible. Bien, perfect. A tout à l'heure. Tout à l'heure. Putain, mais tu donne-moi mon argent, toi. Tu vois pas que je parle à une meuf, tu me casses les couilles. Je m'en contre les couilles que tu parles avec. Tu peux même parler avec ta mère, la pute. Putain, mais tu sais que ma mère, elle... Tu sais que ma mère, elle est là-haut. Moi aussi. Ah ouais, elle est où? Elle est en haut, dans le bâtiment, en haut, là. Putain, comme moi, putain. Putain, pareil. T'es grave chaud. Enfin, je te jette tout, là. Toi aussi, ta mère, elle travaille dans le bâtiment. Ouais. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, putain? Je te dépose dans la poubelle la plus proche, c'est ça? Non, dépose-moi au commissariat. Eh, tu m'as pas donné de sous. Si, je t'ai donné 150 dollars. C'est tout. Quoi? Putain, mais je gagne beaucoup plus que ça en mendiant. Tu gagnes combien en mendiant? Bon, je gagne 5000 dollars au moins par jour. Ouais, ça sera pas avec moi. Crevard. Avec ta mère. Avec plaisir. Les descends. Tu vas quoi au commissariat? Tu vas balancer? Bah t'as tout compris. Tu vas balancer quoi? Les policiers! Je suis avec Vertuingo! Je suis avec Vertuingo! Bah alors tu te chies dessus? Je vais te niquer ta mère, Fred. Ça y est, là je vais te baiser ta mère. C'est policier, bon. Commissariat ou pas c'est commissariat? Bon, c'est bon, c'est bon, bah attends, je rigole, putain, tu casses les couilles. Eh, je sais que t'es un homme respecté. Allez, je sais que tu peux me casser la gueule. Je t'aime, Fred. Moi aussi je te kiffe, mon petit cochon. Allez, ciao, petit cochon. Avec ta mère. Ouais, le bourré. Ouais, le SDF, ça dit quoi? Qui m'a parlé là? C'est moi. C'est moi, tête de chibre. C'est moi, tête de chibre. Ça va ou quoi? T'as pas un peu de sous là? C'est pas moi, c'est moi qui parle. C'est les Maras. La côte blanche. Ouais. Mais t'es qui toi dans la voiture? Mara aussi, pareil. Ah, les Maras, il est avec vous, Baltrou là? Il est au trou, Baltrou. Il est au trou, Baltrou. Ah, bah, il porte bien son nom. Et pour il s'est fait choper pourquoi encore ce connard? Je sais pas. Deux, trois connus par-ci, par-là. Tu connais. Mais il se fait choper toutes les 3 heures. C'est une merde. Changez de tréfé. À votre place, je ferai une révolution. Et tu m'as fait une coupe, hein. Wow, une piste d'atterrissage. Ouais, non, c'est Santiago Bernabéu. Eh, hey, dites-moi, à votre place, vous pensez c'est qui le plus mature, le plus fort d'entre vous, là? Nous tous. Je pense c'est toi, en vrai, hein. Non, moi, je suis une merde. Mais pourquoi toi tu fais pas rêver toi? Tu tiens les... T'es un peu chaud comme Diego toi non? Qu'est-ce que tu racontes toi? Moi je m'en dis toute la journée dans la ville, je chie sur les murs, tu chies sur ta daronne quoi? Bon, alors, tu commences par m'énerver. Je vais te mettre un coup de portière, tu vas voir. Écoute-moi, moi je trouve que Baltrou il vous représente mal. Tous les jours il est au trou, il se fait attraper par les cops, les policiers se moquent de lui tous les jours. Ouais. Wesh. Il est fou quoi. Mais wesh, ils sont fous. Oh! Voilà, mais wesh, mais... Enfoiré. Voilà. Parle bien de Baltrou, ça va te sauter. Ouais, bande de trous de balle. Il a essayé de m'écraser, là? Comment ça va? Mon petit Allô lapin. Allô? Mon petit lapin, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ça fait. T'es au gouffre, là? Ah, tu veux me voir au gouffre, là, vite fait? Vas-y. Vas-y, j'arrive. Allez. Ça va, tu vas bien? Ouais, t'as la barre qui a grossi, je rêve. Hein. Ouais, j'ai même regardé ma calvitie, elle a augmenté sa mère, ça a reculé. Ah ouais. T'as vu?
j'ai plein de sirop sur la tête. Je trace pas là, faut le crâne à Barthez là, attends. Non, 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 je sais que tu m'as connu dessous de meilleurs jours, mais... Bah, si tu connais qu'une cheval grise, un peu plus clair, quoi. Tu t'appelles comment déjà? Moi? Ouais. On m'appelle Carmel Cray. Ça va, tu vas bien? Bah ouais, et toi? Écoute, tu fais quoi depuis tous ces derniers jours, bordel de merde? Bah, je bosse. Je te contacte, mais tu bosses sur... Tu vois pas que c'est la guerre en ville, Sud? Tu bosses sur ce que... Sur... Bah, sur ce qu'on sait, quoi. Bah ouais. Vas-y, pose ton arme. Le déterre, il va me casser les couilles, après. Ok. Vas-y, c'est bon. Vas-y. T'as des trucs, du coup? Ah! T'as des trucs? C'est pas... Attends, viens, on va dans l'ordre, viens, on monte. Il est où ton pote le proc, là? Il me prend pour un sgeg. Il est parti, le proc. Il aime trop t'appeler, faire genre tu lui as dit des trucs, mais en fait, tu lui as rien dit. De quoi? À chaque fois, il me dit, ouais, le président, il m'a dit ça, mais tu lui dis rien du tout. Je crois que je l'appelle une fois par jour. Putain, quel chien. Il me fait croire que, ouais, il m'a dit ça, dis-moi tout à moi. Il est bizarre, le proc, hein. Ah, on est d'accord. Ouais, peut-être qu'il est corrompu, hein. Je sais pas. Mais t'es sérieux, là? De quoi? Mais tu parles sérieux ou tu te fous de ma gueule? Mais non, je rigole avec toi. Mais tu me fais flipper parce que j'arrête pas de parler avec lui, moi. Ok. Eh, dis-moi. Je voulais te parler de l'association, j'ai récolté pas mal de dons, hein. J'ai récolté pas mal de dons. Ouais. C'est bien. Là, franchement, ça se développe. J'ai quasiment 300, 400 000 dollars pour l'association. Et tu veux toujours pas d'acheter des habits? Mais c'est pas pour moi, c'est pour les pauvres. Oui, mais t'es pauvre, donc achète-toi. Non, je m'en bats les couilles de moi. Arrête. Et écoute, je peux plus changer de sap, la merde elle a séché depuis toutes ces années, et si je l'enlève, ça va niquer ma peau. Ah, c'est ta peau? Ouais, ça va s'enlever maintenant. T'as compris? Du coup, je viens juste te parler. Je vais te faire des insinuations, c'est tout. J'ai pas envie de te dire de mots, de trucs. Je veux juste te parler, d'accord? Ouais. Rappelle-toi de ce qu'on s'était dit dès le début. N'oublie pas, et sache que j'ai énormément avancé. Oublie pas le plan de base, et sache que j'ai énormément avancé. Fais-moi confiance. Moi, je roule pour toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu puisses te faire confiance et que tu fermes ta gueule. Ah, mais t'as vu comment tu parles, toi aussi? Désolé. Mais maintenant on est des potes. Ouais, on est des potes. Mais la question, moi j'ai une question à te poser, Fred. Qu'est-ce qui ferait pas que tu ferais l'inverse? Parce que tu. Mais parce que je m'en bats les couilles, moi depuis toutes ces années je travaille pour toi. Ouais, c'est vrai. Par contre, je te dis la vérité. Ouais. Bah. Parfois, c'est possible que je glisse. Je glisse des informations ou quoi, tu vois, mais pas énorme, tu vois. Mais juste pour. Prenez la confiance. Tu comprends? Ouais. Bah écoute, si tu donnes des informations qui sont assez maigres pour pas nous mettre dans la merde, c'est bien. Ok, moi c'est pour ça que juste de ton côté, j'ai besoin que tu sois franc avec moi pour pas que je fasse de la merde. Non, mais je suis franc pour l'instant, tu vois bien que tu n'empiètes pas. S'il y a quelque chose, de toute façon, je te le dirai. Moi on se dit mieux c'est, comme ça on se met pas dans la merde, tu vois. Y'a qui est au courant pour moi? Toi? Ouais. Quoi, toi, que t'es ma taupe entre guillemets? Non. De changement d'identité. Que t'es Driss Myrio? Oui. Y'a le proc? Ouais. Y'a un agent, moi. Ok, je veux qu'ils ferment leur gueule. Bon, c'est déjà le cas. T'es sûr? Oui. Mais ça fait 7 ans que je suis là, ça fait 7 ans que j'ai les mêmes agents, t'en fais pas. Je te fais confiance. Mon équipe, elle date pas d'hier. T'es ma seule relation que j'ai dans cette ville depuis toutes ces années. T'es le seul qui me reste. Bah écoute, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as cassé les couilles pour ton agence Simo. Hein. Je sais. Tu m'avais ramené Ryan Making. J'étais toujours... Ouais, putain, à l'époque, c'est Ryan Making. Comment il a fini, lui, d'ailleurs? J'ai entendu dire qu'il... Il a voulu faire la guerre contre moi, il a fait un attentat, je crois. Bah, en gros, il a voulu me tuer, il est mort. Putain, je crois que t'es le président qui a duré le plus longtemps que j'ai connu. Ouais, c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a l'ancien président qui m'avait appelé, là, Aladdin. Mais déjà appelé au téléphone. Sérieux? Ouais. Il t'a dit quoi? C'était un sacré personnage, bah rien. Il m'a parlé entre guillemets en tant que collègue, mais c'était marrant. Ok. Bah. Du coup. Bah. Fais des insinuations, je t'écoute. Non, mais tout ce que je voulais te dire, c'est. Et du coup, vous êtes en bonne relation avec la police ou ça s'est amélioré ou c'est toujours la merde avec eux? Ça s'est amélioré. Ok. Je. Faites attention, c'est tout ce que j'ai à vous dire, faites attention à vous.
En tout cas, sache que toi, je te la mettrai jamais à l'envers. Jamais, sache-le. Regarde-moi dans les yeux, je te la mettrai jamais à l'envers. Bah écoute, j'espère bien. Moi, j'ai toujours essayé d'être droit avec toi. Si un jour je t'appelle et que je te demande quelque chose, j'ai vraiment, vraiment besoin que tu me donnes ces informations. Oui, mais ce là, faut que tu me donnes aussi du pain, là. Écoute... Si tu me donnes pas de quoi avancer, je peux pas t'aider, hein. Je suis en train d'avancer. Fais-moi Mais justement, confiance. Donne-moi de quoi avancer. Écoute, quand je vais tout te servir sur un plateau, t'auras même plus besoin d'avancer, t'auras juste à mettre le pied et Sfud, tu vois qu'hier c'était la guerre en ville, on est d'accord. Quoi? On est d'accord ou pas? Quoi? C'est qui, là? Hier c'était la guerre en ville. Je sais pas. Bref, il y a eu plein de prises d'otages, etc. d'un coup, revendiquées par le Mexicain, là. Donc moi, j'ai besoin que tu m'informes sur ça, là. J'ai besoin de savoir, parce que si tu me donnes pas les infos, moi, je peux rien éradiquer. Et là, il y a des gens qui sont en train de faire le bordel dans mon pays, et ça, je laisserai pas passer, tu vois. Écoute, t'as peut-être des... Attends, il y a quelqu'un, tais-toi. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelqu'un. C'est quoi ce président? T'es à 007? FIB pour LSPD, on va préparer des hélicos d'attaque. Soulax, t'en veux un ou deux? Quoi? Écoute, je vais te dire une chose. Là, par contre, c'est une vraie information. Méfie-toi des LSPD, il y a des gens qui ont plusieurs faces. Enfin, oui, des gens. Il y a une personne qui n'est pas du côté... du gouvernement, ni de la LSPD, chez la LSPD. J'ai quelqu'un en soupçon, mais j'en suis pas sûr. Mais je veux juste, juste que tu fasses rien, je le soupçonne, c'est tout. Ok, mais dis-moi que je puisse au moins garder un œil sur lui, sans rien faire. Tu vois Samuel? Samuel? Otis? Je sais pas, on m'a dit Samuel, j'entends tout le temps parler d'un Samuel. À propos d'eux? Il aura fait quoi? Ah, c'est une taupe. Ok. Ok, c'est noté. Juste, s'il te plaît, n'agis pas bêtement. Fais doucement et piste-le. Sud, tu parles au président des États-Unis. Sud, je ne fais jamais rien bêtement. Je suis pas là pour rien. Ok, okay. Fais-moi confiance. Moi, je te fais confiance. On bosse ensemble. Et puis, quand le temps viendra et que tu me serviras tout sur un plateau, tu retrouveras ta vie d'avant. Et puis, tu finiras au Bahamas et aux Maldives, tu vois. Je m'en bats les couilles de ça. Je veux juste mourir pour cette ville. Oui, mais le but, c'est que tu crées quand même bien, en héros. Ok, bon. Hésite pas, si t'as besoin de quoi que ce soit, si t'es dans une merde incroyable, contacte-moi, je te jure que tu sortirais de cette merde. Ok. Moi, t'es mon ami, tu m'as aidé, je l'ai bien vu, tu m'as fait une association, t'as tout fait pour me rendre service. Tu m'as suivi jusqu'au bout, tu m'as accordé ta confiance. Et je te le rendrai quoi qu'il arrive. Bah écoute, merci, c'est gentil. Insane Junior, merci pour le prêt. C'est pour moi. J'ai juste une dernière demande. J'ai une demande des Vagos qui veulent créer une église dans leur quartier. T'en penses quoi? Ouais, ça a déjà été fait. Ça peut se refaire. Ok, bah si tu peux faire remonter la demande, ils m'ont envoyé de leur part. Je leur ai fait une demande pour savoir s'ils voulaient de l'argent pour leur quartier. Dis-leur qu'ils viennent me voir. Ok, je leur dirai. Transmets-leur, ok? Ok, bon. Tu me raccompagnes? Allez, viens. Et tu traînes tout seul, toi? Bah, je suis seul, mais j'ai des amis. Enfin, j'ai mon petit cousin et... Tu t'appelles comment? Mon petit cousin, il s'appelle Boudzizi. Tu te fous de ma gueule? Non. Boudzizi. Ouais. Et j'ai un ami qui, bon, un peu virevoltant, mais il s'appelle Berlusconi. C'est son vrai prénom? Quoi? Berlusconi? Ouais, Berlusconi. Ok. Bah, si je les croise un jour, moi je serai avec tes amis. Mais sinon, tous les SDF sont mes amis, j'essaie de tous les aider. D'ailleurs, tous les pauvres de la ville, pas forcément les SDF. Il en faudrait des gens comme toi, Sfud, qui a de l'SDF. En tout cas, tu utilises beaucoup ton claque-doigt. Hein. Ton coupongle, pardon. Ouais. Je l'entends bien, ton coupongle. Hein. Ouais, faut que je règle 2-3 trucs au niveau du coupongle. Le couponglage, tout ça, là. La lime à ongle, enfin, bref. D'accord. D'ailleurs, du coup, t'as revu Shona, toi? Ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, je sais, vu la dernière fois avec, du coup, ça m'a fait penser à ça. Ouais, me raconte ce qu'elle fait avec vous. Comme ça, avec moi? Bah quoi? T'as dit que je couchais avec? Quoi? Tu l'as baisé? Quoi? 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 Franchement, c'est ça. Bah allez, Sfud. Hein? Mais putain, mais... Quoi? Mais putain, mais... T'es pas sérieux? Mais non, je suis pas sérieux.
23 ans, j'en ai 39 à ce prix. Bordel. Bon, bah, bonne soirée à toi en tout cas. Allez, bonne soirée, moi. Salut. Putain, elle est où ma voiture? Celle-là. Ah merde. C'est la mienne, c'est plutôt. Ah ouais, ouais. Vas-y, viens, je te dépose, au pire. Ah, c'est bon. Vas-y, vas-y. Mais c'est bon, t'as déjà la voiture. Vas-y, monte, c'est pas grave. Attends. Voilà, c'est bon. Je dépose où? À ton camp? Je sais qu'il y a personne qui est au courant, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui commencent à se méfier. Enfin, je sais pas, peut-être ils ont vu qu'elle... Ils m'ont vu rentrer ou je sais pas, ça me dit ouais, il est où ton camp SDSDF, ça me pose des questions, je comprends pas, t'as dit quelque chose ou quoi? Sur le camp, non, par contre sur le camp j'ai pas parlé. Par contre sur le camp j'ai pas parlé, t'as parlé sur quoi d'autre, sale chien? Mais non, mais genre au niveau du camp j'ai jamais parlé parce que le camp, genre je l'ai limite sorti de ma tête pour éviter d'en parler, tu vois. Et je sais pas, Soulax là il m'a pris dans sa voiture, il a commencé à me faire un interrogatoire, tu lui as dit quoi, bordel? Ah bon? Ouais. Non, je peux pas parler, je parle pas avec Soulax. T'es sûr? Non, c'est là que j'ai pas les meilleures relations avec. C'est pas ce qu'il m'a dit le proc. Il t'a dit quoi le proc? Que je m'entendais d'une fleur de Dieu avec lui alors que ouais. Je me suis embrouillé 100 fois avec lui depuis que je suis là. J'espère vraiment que tu me mens pas, je te fais confiance à 100%. Mais il se fait de... J'ai pas d'intérêt à te mentir pour le coup. C'est là? Ouais, vas-y, laisse-moi ici. Vas-y, prends soin de toi. Merci. Tiens-moi au jus, hésite vraiment pas, arrête de faire l'amnésie et le fantôme, je te jure que je suis pas là. Je suis pas le fantôme, je suis là pour ton bien. C'est vrai, il y a la guerre en ville, j'ai hey, beaucoup de boulot. Regarde-moi. Ouais. Attends, t'es mon ami, t'es mon ami, Barclay. Putain, ton blase de merde, c'est trop dur à dire. Comment tu veux que je te croie? Tu me dis t'es mon ami, tu connais pas mon prénom, espèce d'enculé. Mais pour moi, t'es le président, c'est tout, t'es le président de la street, t'es un président un peu street. Mais qui baise un peu partout, quoi. Comment? Même avec le proc. Un... Comment? Quoi? Bah oui, je vois quand vous vous tenez main dans la main. Ah, ça se voit. À ce point? Ouais. Ah, parce que c'est vrai, je lui ai fait le cul. Allez. Allez, bonne soirée, mon pote. Diego? C'est vrai. FBI plus Soulax en hélico, je sais pas où ils vont, méfie-toi. Ah, ils sont partis? Apparemment. Gracias, Roy. Gracias. Voilà, je vais te récompenser, Sroid. Gracias. On se voit tout à l'heure. Toujours les bonnes informations. T'inquiète à pas, à tout à l'heure. Oh, apparemment, je lui ai vraiment rendu service, là, sa mère. Wesh. Il était heureux, sa mère, d'avoir l'info. Wesh. Je sais pas ce que j'ai... Je sais pas pourquoi, mais... Wesh, je vous dirais, je l'ai branlé, sa mère. Il fait quoi ce cousin de merde là, Bouddhiste? Ouais, petit skake. J'arrive, bouffon là, nique ta mère. Viens, putain, tu m'insultes trop, t'as oublié que je suis plus grand que toi, je vais te niquer ta mère. Je parlais pas à toi, je suis désolé. Ah, okay, vas-y, viens. Vas-y, viens. J'arrive tout de suite là, je suis en route. Vas-y, je t'attends. Ah, t'as vu, j'y allais par Elago avec mes économies et après, il y a un mec qui l'a niqué encore un petit peu, un tout petit peu. Au calme, t'inquiète, de toute façon. Mais elle roule de ouf là. Bon, nous-mêmes, on a abîmé. Vas-y, je t'attends. Vas-y, j'arrive. Ouais. Putain, elle, sérieux, elle bombarde pas de ouf. Elle est comme ma drogue. Elle bombarde pas de fou. Ça, elle va. Tu me la prêtes? Elle arrive là. Je te la prêterai quand tu veux. Tu veux vas-y. Tu veux un double des clés? Oh, je suis chaud. Vas-y, tiens. Oh la dingue. Ouais, Simer. Elle est pas mal la voiture, hein. Viens voir. Ton crâne, il est de pire en pire. Vas-y, viens voir. Oh la dinguerie, frère. Putain, comment on fait? Attends, reste attends, là. Attends, là. Là, c'est par choix, là. Attends, écartez-vous. Ah ouais, c'est cheveux migrateurs, ça s'appelle. Non, là, c'est par choix, là. Qu'est-ce qu'il a, là? Oh, viens voir, crâne chauve. Attends, là, si. Ouais. Wesh, le PPDR, là, c'est 20 000 balles. Mais faut les gars, faut vendre de la drogue, mendier, je sais pas. Mais frère, tu te fous de mon cul ou quoi, wesh? C'est attends, déjà, est-ce qu'il est chaud ou pas? Ouais, il est chaud de fou, il a... T'inquiète. Ok, écoute, il faut que tu trouves. Il faut que lui, il fasse ça. Et faut que ces mecs-là, ils soient vraiment prêts à tout, tu vois. Dans cette ville, pour nous, les pauvres et les SDF. Il est prêt à tout, frère, il m'appelle patron. Tout à l'heure, il a voulu mettre un coup de marteau à un mec pour moi, wesh. Ok. Mais juste l'argent, je sais pas où tu vas le trouver.
Tiens, trouve le reste. Oh putain. Eh, hey, garde-le, c'est pour ce truc-là, ok? Faut qu'il le passe. Vas-y, y'a rien, vas-y. Ok, tu lui fais passer le PPA, tous ces trucs. Et, ok, bon, maintenant viens, suis-moi. Vas-y, c'est cool, ah, ramène-les, suis-moi, je vais leur montrer le camp, mais... Hey, attends. Oh, y'a pas attends, que des SDF là, attends, on est d'accord. Le rouquin là, je sais pas si c'est un SDF, c'est un nouveau, t'as vu Non, bah ramène que le mec mal, avec la capuche. Il s'habille mal, mais je sais pas si c'est un SDF. Dis-leur aux deux autres mecs d'attendre ici, et le mec à qui on va faire passer le PPA, on va le mettre en confiance, ok? Vas-y. C'est un des nôtres maintenant. Téléphone. Ouais, bon, laisse tomber. Ouais. Il est bizarre, lui. Les gars, on arrive tout de suite, ok? Ok, man. Attendez. Vas-y. Vous appelez comment? Randall. Vas-y, Vandal. Voilà. Et comment tu t'appelles, toi, à gauche? C'est Sandal et Jeffouille. Jeffouille, putain, c'est quoi ce place de merde? Nique ta mère. Vas-y, on arrive tout de suite. Comment ça, nique vas-y. Eh, on va te montrer un truc de fou. Écoute, on voit que t'as un petit SDF qui est souvent là, qui est motivé, qui a... Qui... Sors du coffre, putain, de ta mère, là, putain. Ah, merde. Ouais. Du coup, on va te montrer un endroit, viens, suis-moi. Sois discret. Il faut que tu le dises à... Non, attends. Attends, viens. Mets un bandage sur tes yeux. Ok, je mets un bandage, ouais. C'est bon. Tu vois rien? Ouais, c'est bon. Là, je vois rien, là. Ok, je te guide. Vas-y, guide-moi. Il est bien quand tu me guides, là. Putain. Attends. Putain. Bah, guide-moi après ce mur, non? Putain, ça marche plus vite, fils de pute. Comment je le lâche? Ah, faut que je fasse ça, je crois. Vas-y, guide-moi. Vas-y, avance. Avance. Tout droit. Il faut vraiment pas que tu parles. Hein. Tout droit. Vas-y. Putain, la porte. C'est le cul de ta mère qui est ouvert, vas-y viens. Enlève la cagoule. Si. Vas-y, j'enlève. Écoute, ça c'est le camp des SDF, ok? Disneyland. Oui, si tu veux, Disneyland. Il est en construction. Tu vois? Ok. Là, aujourd'hui, on compte sur toi. Ouais. C'est pour ça qu'on te montre ça. C'est en travaux encore ici pour l'instant. Ouais, bah, j'ai vu. Il faut que tu passes le PPA, c'est toi qui récupéreras les armes. Nous, les SDF, on se fait mépriser dans toute la ville. On nous tape, on nous respecte pas, on nous prend juste pour des mendiants. Il nous faut juste des petites armes au cas où pour se défendre, tu comprends? Ouais, je comprends, faut les baiser les mecs. Qui non, faut baiser personne, tu vas baiser faut personne. Faut baiser personne, non, tu vas baiser personne. Tu tires sur un mec, je te bute. Parle bien, regarde le chef, parle bien, regarde le chef. Je te bute, tu tires sur un mec, je te bute. Tu tires sur personne, on n'est pas des méchants. C'est ça que t'arrives pas à comprendre, on est des gentils. C'est juste pour se défendre au cas où. Ok. Putain, la porte est mal fermée. T'avais dit de mettre un costard cra... mais faut mettre un nœud papillon frère. Écoute, ouais, y a pas de méchant, on est que des gentils. Tu vas tirer sur personne, tu nous fais une emmerde, une galère, on te connaît plus. J'ai jamais dit que j'allais tirer sur quelqu'un. Ouais, bah tu nous fais rien du tout. Ouais, je fais rien. Juste chacun non, apporte de confiance, ça. Voilà, chacun apporte son sa pierre à l'édifice. OK. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, j'essaie de récolter des dons avec l'association. Boudzizi, il essaie de charbonner, il fait de la musique de son côté. Toi, tu nous apportes de quoi nous défendre au cas où des gens nous agressent. On n'en peut plus de se faire tabasser. T'es très très important dans la chaîne alimentaire. Ok. Ok. C'est lui, je comprends. C'est lui qui va te dire... C'est lui, si tu veux, si t'as un truc à demander, tu le demandes à lui. Boudzizi, c'est mon petit cousin. Ok. Boudzi, hein. Il est au calme. Ouais, Boudzi, merde. Putain, je casse. Bref, remets ta cagoule. Vas-y. Je reviendrai ici plus tard. Vas-y, avance, retourne-toi. Bon, vas-y, enlève ta cagoule.
Vas-y. Oh. Il fait quoi lui? Jeff il est rentré au process. Tu fais quoi ici toi? Comment ça je fais quoi frère? Wesh. Tu m'as dit attends moi là fils de pute. Ça dit quoi? Comment ça fils de pute? Je m'appelle Eddie. T'as besoin de trucs à manger? T'as besoin de quelque chose? Frérot je... Ouais un petit verre d'eau. Tiens. Attends mais pousse-toi le mec en rouge. Fils de pute. Ouais. Quoi? Jure. Merde. 5. Putain. Ah ouais t'es un bon wesh. Vas-y c'est merde mon zinc. Bonne écoute, soirée. Ramène. Oh. Ramène. Ramène on va dire Randall là. Arrête, fou, quoi. Je crois que j'ai frappé un petit peu trop fort. Regarde les sabbats qu'il a. Bon, je vais récupérer au calme. Tâche de vol. Quoi? Quoi? Wesh. Ah bah vas-y, c'est bon. Ah merde. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, Wiss? Oh, c'est un hérisson ça, autodéfense. Il se met en boule, ici. Voilà le hérisson. Vas-y, tiens, mon ref. Envoie un soda, s'il te plaît, là. Attends. Butizi, attends, je te parle deux secondes, viens. Vas-y, viens. Qui parle, wesh, c'est Lana. Gros, lui, c'est une balance de fou, là. Je sais pas s'il a entendu. Je sais pas, mais moi, je fais pas confiance, je le connais pas. Fais-le manger comme pas possible, faut qu'il récupère des sous, qu'il paye son PPA, et toi, tu l'aides aussi, tu vends de la drogue. Ou... Si t'as besoin là, de drogue, là, tu on le a quasiment assez, tu là. Demandes à Berlusconi. C'est lui qui connaît les dealers de drogue, il va te ramener la drogue. Vas-y, chouchou. Si t'as besoin de drogue, tu demandes à Berlusconi, il te ramène pas mal de drogue, tu pourras en vendre. Vas-y, mais là on a quasiment assez là. Je pense d'ici 2-3 jours, 1 ou 2 jours, on est bon là. Vas-y. Bah vas-y, je te laisse, je vais récupérer la voiture, je dois bouger. Vas-y. Vas-y les mecs. J'entends des explosions ou quoi depuis tout à l'heure là, où je suis taré. Putain, l'eau ma bouffe. C'est vous l'arrosage, Monsieur Diego? Si. Si. Ça arrose pas mal vers les chez les LSPD. Si. Ça va, tout va bien? Ça a l'air d'être sympa, oui. Je vais juste simplement sortir Balthazar, mais apparemment il n'y a rien. Essayez de passer vers le côté du commissariat pour voir la situation, peut-être. Il y a des EMS, mais c'est très calme. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes autour du commissariat. Bien. Et est-ce que tu peux faire mine de rentrer dans le commissariat sans faire exprès? Ok, je vais faire ça pour vous, je vous rappelle, monsieur Diego. Pour la mouche de la patrouille. Il y en a d'autres. Un peu d'argent. Oh, c'est toi celle ici de la boutique. Ils sont ouverts, viens. T'aurais pas. C'est toi celle de la boutique? Ouais, mais on n'a pas le temps là, je suis vraiment désolé. Forcément. Mais je viens pour nettoyer. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Affirmatif. Wesh, ils sont affolés. Ils sont affolés. Yo, ils sont tous dans le comico. Non, ils sont tous dans le comico. T'es un médecin? Ils sont tous dans le comico. On dirait que t'as une blouse là un peu. Non, je peux mettre ça, désolé. Ah, j'ai mal. Oh. Apparemment, il y a pas mal de monde couché dedans. Oh, il vient de me mordre là des dessus. Oula. What the fuck? Quoi? Attends, mais yo. Quatre. Merde. Descends. Laisse route, stop, laisse route, stop, descends, laisse. Descends. Stop, laisse route. Non, descends. Toi descends, stop, laisse route. Vraiment. Descends. Vraiment, route, arrête, descends. arrête, route. Descends ou je te mets un coup de couteau. Srut, arrête. Descends ou je te mets un coup de couteau. Non, je suis derrière, tu peux pas mettre des coups de couteau. Je descends et je te mets un coup de couteau. Descends, moi j'ai que de bien, on s'encule. T'as dit quoi? Descends, on s'encule. Ah, oh, vous êtes disponible. Oh, le SDF, fais descendre le mec de la voiture. Il est derrière. Derrière là? Ouais, descends-le. Allez, descends maintenant. Il peut pas, regarde, il peut pas. Oh putain, mais... Allez, redescends, s'il te plaît, redescends, c'est pas drôle.
Mais tu veux quoi, putain? Mais descends, c'est l'ambulance de mes amis, donc descends, s'il te plaît, Sreux. Descends. Toi, descends. Descends, je te dis. Toi, descends, s'il te plaît, Sreux. Oh, Zopi, mais c'est pas possible. Mais descends, je te menace, tu comprends pas. Mais je suis derrière, tu peux pas me menacer, Sreux. Mais comment ça? Mais je suis derrière, je suis dans la grosse boîte derrière. Bon, regarde. Même bon. Si tu me menaces, je peux pas, je suis derrière. Aïe. Ok, c'est pas possible. Sreux, tu te suces la bite, mais arrête, arrête. Descends. Descends. Toi, descends. Descends maintenant. Descends, descends, je te braque. Ah non, c'est grave. Ah non, c'est grave, wesh. Au nom de Dieu, je vais pas le lâcher. Arrête. Aïe. Mais wesh. Ça y est, qui baisse sa mère. Wesh. Décollé. Y'a... Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, vous devriez pas rester ici, c'est dangereux. Tu es le médecin? Je suis avec les médecins, oui. Ramène-moi au médecin, alors, dans ce cas-là. Pardon, mais ils sont à l'intérieur, ils sont rentrés, je crois. Dépêche-toi, j'ai un magnum. Vous voulez que je ne suis pas en train de me rendre. Vous voulez que je vous dépose à l'hôpital? Non. Je veux voir les blessés. Mais ils sont à l'intérieur, moi je sais pas, je suis pas médecin, mais je suis avec elles. Elles sont rentrées par derrière, je vous montre. Oui. Non. Baisse sa mère, ce fils de pute. Mais c'est pas la Vogova de Soulac, c'est Samuel, ça? Tu viens de voler une Jafter blindée, je vais te déchirer. Mais c'est pas moi. Je jure, c'est pas toi. Mais non, tu t'es trompé. Si c'est toi, je te jure, je vais te déchirer. Hein. Mais tu t'es en train de te péter un pont ou quoi là? Je suis avec l'SDF, je suis la LSPD. La LSPD, je suis allé récolter de l'argent, mais tout est fermé, ils sont en panique, ça tire de partout, je comprends reste rien. Reste en sécurité là où t'es, ok? Fais attention, ça tire de partout. T'en fais pas, moi, je sais pas. Il avait déjà abusé le mot de... Non mais je sais que Diego il est à l'hosto, j'ai pas envie de le faire cramer. Et j'ai pas envie qu'on me voit avec lui, vous inquiétez pas, je le sais, je l'ai entendu. Il a dit ramène-moi à l'hosto. Mais c'est juste que faut pas que ça soit cramé frère, ça sert à rien que je reste planté devant. Oh, putain. Le médecin, ça me fait mal de le dire mais je pense que mon commandant il est terminé. Vous êtes peut-être médecin, mais j'étais ancien médecin aussi. Je peux vous le dire que oui. Regardez bien. Regardez bien. Mais wesh, hey, je suis toujours au bon endroit au bon moment, ça bête. Si, je l'ai entendu dans la radio de l'ambulance, wesh. Où
touchez pas, il l'a dit par la fenêtre, il y a des fenêtres de l'hôpital, frère. Il y a des fenêtres à l'hôpital, frère. Mais je crois que Diego est dedans. Je pense que Diego est dedans et que le commandant est dedans. Normalement, j'en suis sûr et certain. Comment ça va? Je me suis pris une balle. Oh. J'aurais besoin d'aide. Attendez. J'en peux plus, je comprends rien. Je dépose là. Attendez, monsieur, okay. Je vais m'occuper de vous. Un citoyen blessé ici, oui. Ok, d'accord. Oh, c'est au bleu. Le commandant est décédé. Vous venez avec moi. Yep. Samir. Rachel, elle est à l'hôpital. Hop, je vais vous allonger là-dedans. Tu passes ? Ah, peut-être que je vous allonge. Ça va aller, Oliver, ok ? Une balle m'a frôlé. Hop, je vous allonge sur la table. Comment ça, le commandant est mort ? Il est où, mon commandant ? Quoi ? Il est mort ? Alors, il est où, le commandant ? Arrêtez de crier dans l'hôpital, s'il vous plaît. Merci. Il est où, le commandant ? Hop, je vous allonge. Arrête de crier ! Quoi ? Wesh, ah merde. Pour les soins. Elle vous a frôlé où la balle ? M'a frôlé le crâne, je suis un peu traumatisé là, je vous cache pas. Elle m'a pas touché mais ça m'a traumatisé, je suis sonné là, je suis pas bien. Ok. On va donner un petit peu de calmant et puis ça ira bien, d'accord ? Il se passe quoi exactement ? Putain, je comprends rien. Pourquoi ? Je vous donne un petit peu de calmant, d'accord ? D'accord. Tenez. J5. Hop. Pendant que vous buvez ça, je vais inspecter un petit peu de crâne pour voir si la balle a vraiment que frôlé ou si elle a touché votre crâne, d'accord ? Mais je comprends rien, je vous jure, je sais même pas ce qui se passe. Moi, je donnais juste toutes les infos. Je me glissais partout, j'étais toujours au bon endroit au bon moment, je sais pas pourquoi. La balle a enlevé vos cheveux ou vous étiez déjà dégarni ? Oh non, j'ai... Non, c'est à force de réfléchir, ça fait... Ah, j'ai explosé, j'ai essayé de me retenir, j'ai pas réussi. Ok, donc à force de réfléchir, votre chevelure a cramé, quoi. Votre cerveau, il est cramé. Bon, bref. Ok, il n'y a pas de plaie. Oui, je pense. Ok. Okay. Bon, je vais juste vous donner des petits oliprènes calmement, d'accord ? Franchement, vous avez une bonne étoile. Ouais, la balle m'a frôlé, j'aurais pu mourir, j'aurais pu être un homme mort, là. Ça m'a choqué, je pense que je vais juste aller voir un psychologue qui va un peu me... Vous inquiétez pas, vous pourrez parler, je vais vous donner un petit calmant et un petit doliprane, parce que je pense que vous avez de l'eau pour le boire. Je vais trouver ça normalement. J'arrive. Merci, si vous pouvez me donner ça, merci. Je vous attends. Hop, je vous donne un petit verre d'eau. Tac. Où est le commandant, alors ? Ouais, elle est là. Voilà, c'était lui. Au calme. Normalement, le calme, il va commencer à vous apaiser. Okay. Si vous avez des maux de tête ou quoi que ce soit... Oh, merci. Ne vous en faites pas, c'est totalement normal. Mais juste un conseil, évitez trop de réfléchir. Merci, vous êtes vraiment un bon MS. Vous appelez comment ? Monsieur Titeuf. Je ne connais pas, c'est mon vrai prénom. Titeuf Nyuk. Putain, j'en ai marre, putain, avec des trous de balles dans cette ville, j'en peux plus. Comment ça, des trous de balles ? Vous êtes sérieux ? Je viens de vous sauver et vous me dites, ouais, trou de balles. Donnez-moi votre numéro, vous êtes un bon EMS. Envoyez-moi un message avec votre nom et votre prénom. J'aime bien les EMS comme vous, vous avez été très, très efficace. Alors, il a tué mon commandant ! 99-23. Attendez. Envoyez-moi EMS Titeuf Nuke. Attendez, 99-23, vous m'avez dit ? Ouais, c'est ça. Pas tout circulé. 5-5-5-99-23. Accrochez-vous, madame. Les médecins vont s'occuper de vous. C'est monsieur. C'est monsieur, comment votre nom ? C'est toi ! Il y a beaucoup de gens touchés. Bon, là, la dame, apparemment, elle est tombée morte de faim, mais on a beaucoup de gens. C'est toi ! Je sais pas où il est, je sais même pas où il est. Ouais, je vais mettre chauve, c'est pareil. Ouais, vas-y. Où est Chris ? Où est le commandant ?
m'occuper deux secondes. Non, je sais. Putain, ta gueule, arrête de crier. Putain, y'en a qui ont mal au crâne, là. Y'a des blessés. Petite œuf. Quoi? Il est où, le commandant? Je contrôle, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés pour très peu de médecins. Je t'amène à lui, attends. Je suis... Ok. Bon, G5. Comme je t'ai dit. Comment ça, il est où, le commandant? Vous avez sûrement pas censé être mort. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est à cause du calme. Mais si ça va vraiment pas, si ça persiste au bout de quelques jours ou quelques heures, vous revenez me voir, d'accord? Radio. Ok, ok. Mais la porte est fermée derrière. Mais pourquoi il y a autant de policiers ici? Je deviens fou. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, bon, bah, je... Merci beaucoup. Bah écoutez, très bien. Vous, vous avez mis le corps du commandant? Oui, oui, je vous amène à lui. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Attendez, restez là, je vais ramener mon capitaine qui voit. Moi et MK2, on va aller nettoyer cette petite salope de Diego sur son île de bouffeur de guacamole. Ça va passer de là. Bonne précision. Trame, désolé, hein, vous cassez la tête, mais rangez votre arme quand même. Vous êtes en lieu de sécurité. Et... Putain, c'est quoi cette quoi, arme lui. De fou? Rangez quoi, votre arme, monsieur. Mais comment ça, je fais quoi? Allez, viens. Oui. Bon, c'est bon, je vais mieux. Merci, j'avais juste envie de chier. Ça fait du bien de chier? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de lâcher un quelqu'un. Mais je peux te parler deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il se passe quoi ici, bordel? C'est quoi tout ce merdier? Rien, t'inquiète. J'ai des personnes, t'inquiète. C'est les gens de la Lispidi. T'es sûr? Bah, il pourrait. Mais pourquoi ils me disent que. Ils disent tous que je sais pas quoi, il y a des morts, je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a mort, t'inquiète. Quoi? Oui, il y a. Bon, je pense que tu vas être au courant de toute façon, mais. Mais j'ai entendu commandant mort. Oui, il y a le commandant qui est décédé, il y a des collègues de la LSPD qui sont décédés et. Mais c'est pas possible, mais pourquoi ils ont rien fait? Ils sont gentils ces gars-là, mais je peux pas le croire, c'était mon ami le commandant, je suis pas bien là. Attends, mais tu me mens, c'est de la manipulation, c'est pas possible. Non, je te jure. Mais il est où dans l'hôpital? Juste lui dire au revoir. Viens. Ah non, je suis détruit. Je suis détruit, j'en peux plus. Bon, c'est ça, ses collègues qui décidaient, mais il est dans le lit. Oh putain, je suis dégoûté. Mais il est vraiment mort là, mais c'est pas possible. On était à 3 sur lui, on lui a mis de l'adrénaline, on a enlevé ses balles. Dommage, il n'y a pas le corps, ça aurait été magnifique, sa mère. Une balle qui a touché son foie et il a eu une hémorragie interne et. Ça lui a donné la vie. Ça lui a coûté la vie. Mais c'est pas possible. Et putain, mais lui, je le reconnais, l'autre agent, c'est qui lui? C'est un de ses collègues, il est décédé aussi. Il s'appelle comment? 66, je crois. Mais dites pas que c'est Samuel. Non, c'est pas. Je sais pas. Ah non, je prends quoi, c'est lui. Mais bon, on va pas trop rester ici trop longtemps, reviens. Putain, est-ce que je peux, je sais que c'est bizarre de demander ça, mais est-ce que je peux faire une petite photo avec lui d'adieu, une dernière photo, avec mon ami? Avec qui? Avec mon ami, le commandant. Je te fais confiance. Vas-y. Mais je fais blani, c'est pour le RP, dit que sa mère. Ouais, il m'a enfermé. Y'a quelqu'un? Oh. Ouais, c'est bon, je suis ouvert. Mais t'as pas de force ou c'est comment? Oh non, j'ai pas trop de force, je suis vieux, je suis pas bien. Bah merci énormément en tout cas. Hey, t'es un bon gars, si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas, d'accord? Pas de soucis. Putain, je suis dégoûté, je vais aller raconter ça aux autres SDF, ils vont être abattus, c'est le seul mec qui a aidé les pauvres. Pourquoi t'es SDF? Oui. Ah bah attends, bouge pas. Attends. Viens là. Va te sortir, s'il te plaît. Je vais y aller. Mais j'arrive pas à enlever cette démarche. Ah, c'est bon. Bonne soirée, monsieur. Ouais, mon pote! Ouais. Ça se passe? Allô? Ouais, allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Ouais. Sale arnaqueur, va, tu sais comment le concert, je pensais que t'allais faire un freestyle, sale chien. Ta mère, il m'a dit, viens avec un son déjà fait. Putain,
Putain, je suis deck, je voulais que je fasse un freestyle, sa mère. En plus, j'aurais pu, j'ai acheté un autotune sur téléphone. Ah, attends, je suis au téléphone, toi. C'est qui, t'es avec qui? Je suis avec les trous du cul, là. Oh, mon ref. Hey, ouais. Préviens-moi si, quand, si c'est terminé la mission, ok? Mais frère, on peut même pas, frère. Les EMS, je sais pas, ça rafalait partout dans la ville, quoi. Non, je, ce soir, tu pourras pas, c'est impossible. Il s'est passé trop de... Mais alors, pourquoi tu me dis préviens-moi? T'es un con, quoi. Mais non, mais quand tu le feras, mais ta mère, il y a un jour... Ah, t'as vomi, mon ref. Ouais, bref. Tu fais quoi, là? Là, ça va aller Midor, je crois. Ouais, pareil, ça. Putain, tu dors avec quel sap, là? Les mêmes, ça. Un même moi, en vrai. Tiens, le caleçon, là, avec le trou sur le côté, là. Ouais. Oh, c'est une trottinette? Ah non, c'est un policier. Eh, hein. Hey, au fait, t'as un skate ou pas? Non, même pas. Va voir les balas, c'est eux qui en vendent. C'est énervé, tu veux kiffer. Attends, on se fait braquer par la police, là, Envoie ta pause, Attends. Qu'est-ce qui se passe, là, s'il vous plaît? C'est un ouf, il parle vraiment comme si c'était un contrôle de police en région parisienne. Ah, nique ta mère. Ouais, c'est qui insulte, là? Vas-y, laissez partir, là. Bon, nique ta mère, là. C'est bon, c'est bon. Il s'enfant de tes filles. Nique ta mère, je vais dormir. Lâche-moi la grappe, je te pute. Nique ta mère. Ah, putain.